C'est un havre de paix que de partager la nourriture avec des gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas pendant une heure, pendant deux heures, même si après les problèmes reprennent. Pendant ce temps, je trouve que la table est certainement, comme aime à le dire Guy Savoie, un des endroits les plus civilisés de la planète, c'est-à-dire c'est là où tout s'arrête. Les moments de partage de gastronomie, les gens ne peuvent pas être d'accord, mais autour d'un bon verre de vin et d'une belle assiette en général. Moi, j'ai un petit restaurant chez moi et à Rouen qui est un peu bruyant des fois. Et quand je veux que ça se calme, on donne à manger. Et tout le monde s'était. Donc je pense qu'après les gens passent à autre chose. Donc même s'il y a des désaccords, je pense que le moment de partage et la table peut tout atténuer et tout effacer. On a un vrai atout. Touristique, on le sait, ça fait partie de nos précarés, quoi. Mais il faut se battre, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, il faut continuer à aller chercher des gens et à leur donner envie de venir découvrir notre art de vivre, venir voir nos régions, notre culture, nos terroirs. C'est très, très, très important. Et je crois qu'il ne faut surtout pas rester statique à attendre que ça vienne, quoi. Il faut se battre parce que les autres pays, eux, dans le monde entier, ils nous envient et ils se bougent pour arriver à nous dépasser, quoi. Donc il faut pas qu'on dorme, quoi. Good French numéro 1, ça c'était l'an dernier, a été un grand succès. Et Good France numéro 2 va être encore un plus grand succès. Merci d'être là ce matin.